Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de l'épisode 2 de Secret Invasion. Alors, l'épisode, est-ce que j'ai bien aimé ou est-ce que c'était comme le premier où j'ai moins aimé? Je l'ai mieux aimé. Là, enfin, pour moi, on a quelque chose de sérieux. Franchement, j'attendais que ça. Après, oui, il y a des points d'humour dans cet épisode. Attention, la review va spoiler. Mais oui, il y a des points d'humour un petit peu. Mais là, cette fois-ci, l'humour est dosé. Pas comme le premier où j'ai trouvé que l'humour était un peu plus présent que dans cet épisode. Là, il y avait un bon rythme. L'humour, elle était pas en mode, voilà, on va te faire un truc et on va te mettre de l'humour. Non, là, c'était plus de l'humour de situation qui marche mieux avec moi. Qu'un humour un peu plus bateau ou Nick Fury, j'avais l'impression qu'il était un peu plus en roue libre qu'autre chose. Enfin bref, de quoi parle l'épisode? Eh ben là, cette fois-ci, on a un peu. Déjà, c'est vraiment la suite. C'est pas par exemple 3 jours plus tard de l'épisode 1. Non, c'est vraiment la suite de l'attentat à Moscou qu'on a. Du coup, les conséquences, etc., de ce qui s'est passé par rapport à Moscou, par rapport voilà, à l'attaque des Skrulls, etc. Et Nick Fury, qui est vu comme celui qui a mené l'attentat, justement, qui est recherché par toute la Russie. Ça, sur ce point, encore, j'ai un peu moins compris pourquoi lui était recherché. Parce que du coup, on ne voit pas tellement poser la bombe ou quoi que ce soit. Alors, oui, peut-être que c'est un Skrull qui a pris son apparence en posant la bombe. Ça, d'accord, je veux bien. Après, voilà, on en apprend un peu plus, sur le tout début de l'épisode commence par des conséquences du coup de après Captain Marvel, pareil, que il y a une réunion avec les Skrulls et que ça va parler voilà sur il faut un rassemblement, mais vraiment il y a 20, ils nous disent combien il y a de Skrulls, il y en a 20 et voilà, il y en a 20, ils disent un truc comme ça et voilà pour ce qu'ils font, par exemple ils vont créer un groupe où justement Nick Fury leur dit qu'il a besoin de son aide, de leur aide à ce moment-là, mais c'était il y a très vieux, 1945 si je me trompe pas, ou 85, donc déjà ça remonte. Et voilà, et qu'ils vont en même temps avec Carol Danvers, ils vont leur trouver un foyer. Et là, sur ce point, je me suis dit pourquoi pas et tout. Alors on apprend aussi que voilà, le grand méchant Gavik. Et t'as un Skrull, voilà, il est Skrull déjà depuis longtemps. Et il était là quand Nick Fury leur a promis de leur trouver un foyer. Et je m'étais avec Deviant Prod, on en avait parlé sur son Discord, et dire que peut-être que Gavik serait le fils de Nick Fury, pourquoi pas? Parce que pourquoi pas sa femme serait un Skrull, et juste une Skrull. Et justement, Gavik est le fils de Nick Fury, pourquoi pas? Bon, du coup, on sait que non. Mais je reste sur ma théorie comme quoi, voilà, Nick Fury soit l'a adopté en mode, voilà, pour être son protégé, ou vraiment c'est son protégé depuis toujours, enfin, depuis qu'il est venu sur Terre. Parce que voilà, Gavik a perdu ses parents dans l'affrontement Kree et Skrull. Donc bon. Et ensuite, voilà, donc on apprend comme quoi ils font un rassemblement. Et après, voilà, après ça, on a les conséquences comme quoi Nick Fury a fait l'attentat et qu'il est recherché par vraiment toute la Russie, donc par l'Europe entière. Et à ce moment-là, on a du coup les gouvernements qui parlent et tout, etc. Et tout le gouvernement russe hein, qui va parler et je sais pas du. Après, je sais plus du tout s'ils parlent du gouvernement américain, parce qu'à ce moment-là, après, t'as une réunion, t'as tous les membres du gouvernement russe qui vont parler, si je me trompe pas, et tu as Gavik qui va arriver dans une salle en Russie avec plusieurs personnes du Haut Conseil, ils appellent ça, ou du Conseil, je sais plus, et qui vont parler de Nick Fury et comme quoi, voilà, je sais plus ce qu'ils disent. Et après, t'apprends qu'ils sont tous Skrulls, en fait. Et à ce moment-là, ça, j'ai moins aimé. C'est que j'aurais voulu que, pourquoi? Parce que, du coup, est-ce que tous les gouvernements sont des Skrulls? Enfin, tous les personnes haut placées sont des Skrulls? Ça, j'espère pas. Parce que c'est peut-être le seul défaut à se dire. Mais du coup, est-ce que tous les Skrulls sont haut placés dans les hiérarchies politiques?
Ce que j'aurais aimé, c'est que bah, durant ce conseil, il te montre comme quoi, bah, par exemple, pourquoi pas, t'es la moitié qui sont scrolls et l'autre moitié qui ne sont pas scrolls, justement. Ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Parce que là, du coup, bah, t'as plus l'impression que la Secret Invasion, et c'est plus quelque chose bah, que tous les membres du conseil sont au courant, etc. Bon. Après, voilà, c'est normal qu'il y ait des petits défauts. Ça, voilà, j'ai trouvé moins bien. Mais bon. Puis on apprend aussi, bah voilà, dans un, c'est vers tout début, après que la, voilà, la review sera pas, voilà, je vais pas faire du début à la fin, il y aura des éléments qui vont arriver au début et des éléments qui seront à la fin qui vont arriver là maintenant. Enfin bref, au tout début de l'épisode, on a aussi, bah, à un moment donné, Nick Fury et Talos, oui Talos, qui arrivent, qui sont dans un train. Et voilà, on sait que Nick Fury est recherché par le gouvernement américain, russe, pardon. Parce que justement, à ce moment-là, tu as deux policiers russes qui vont toquer dans un wagon, enfin dans une cabine, pour savoir si quelqu'un aurait vu Nick Fury. Bon, voilà, Nick Fury est caché, Talos a pris l'apparence d'une femme et il dit non, il n'y a pas de personne. Voilà, il dit très clairement, il n'y a pas de personnes noires en Russie qui font Russie anglo, Russie Slovaquie, je crois, quelque chose comme ça. Donc bon. Enfin, pour aller après jusqu'à Londres, je sais plus trop. Et après, voilà, on sait qu'en fait, bah, c'est Talos qui était transformé en Skrull. Et à ce moment-là, il parle avec Nick Fury. Et t'as toute cette scène où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est qu'on en apprend un petit peu plus sur l'histoire de Nick Fury. Par exemple, on va apprendre comme quoi, voilà, ce qui est tout à fait normal, parce qu'à cette époque-là, bah, voilà, il y avait encore les wagons. Voilà, personne de couleur, personne blanche qui était faite. Et à ce moment, on a Nick Fury qui va parler. Et à ce moment-là, tu comprends que voilà, Nick Fury a, il a compris, il comprend maintenant qu'il y a vraiment des soucis. Il est plus du tout comme l'épisode 1. Donc ça, cool. C'est qu'il va poser la question à Talos en parlant comme quoi avec sa mère, enfin Nick Fury et sa mère faisaient un jeu à chaque fois qu'ils étaient dans le train, c'est qu'il faisait un jeu de savoir, de apprendre quelque chose que l'autre ne connaissait pas, ne savait pas. Et à ce moment-là, Nick Fury va lui dire de dire quelque chose qu'il ne connaissait pas sur la destruction de Skrullos. Il va, Talos va lui dire qu'il sait tout. Et à ce moment-là, Talos lui dira comme quoi, ben, il a fait un appel et qu'il y a 1 million. Ou 1 million ou 10 millions, je sais plus, de Skrulls qui sont sur la planète Terre. Et ça, à ce moment-là, j'ai trouvé ça super. Parce que du coup, on sait, et du coup, il y a une déchirure entre leur amitié. Enfin, voilà, Nick Fury va lui dire de dégager. Très clairement, il lui dit, dégage du wagon, ton arrêt c'est ici. Et après, il continue son trajet en train. Et voilà, tu vois que l'amitié entre Talos et Nick Fury est brisée, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est fait... Parce qu'il y aurait peut-être des Skrulls qui étaient encore cachés ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais là, à ce moment-là, tu comprends comme quoi il y a quelque chose qui s'est fait. Et franchement, il y a de l'impact parce que bah, tu sais que Talos et Nick Fury sont amis. Et après, tu as du coup bah, Nick Fury qui va aller à l'enterrement. Enfin, c'est pas l'enterrement, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, tu as le cercueil de Maria Hill qui va arriver sur le sol américain ou long à Londres. Non, il va arriver à Londres. Et donc tu as la mère de Maria Hill qui va parler avec Nick Fury. Et justement bah voilà, Nick Fury va lui dire qu'il y était. Et donc Maria Hill, enfin la mère pardon, va lui dire bah, que c'est de sa faute et qu'il faut qu'il cherche le coupable du pourquoi bah qui l'a tué, etc. Et j'ai trouvé ça bien parce que c'est pas genre en mode bon ben elle est morte, bah ben, c'est pas si grave. Non, il y a de l'impact encore sur Maria Hill. Et oui, Nick Fury qui était très proche de Maria Hill, oui, il y a de l'impact. Ça, c'est très cool aussi. Et à un moment donné, tu as après, bon, t'as après, voilà, tout était bien filmé, je trouve, etc. Les mises en scène sont très bien filmées. Et franchement, voilà, comme l'épisode 1, c'était bien filmé, là, ça continue sur comment c'est filmé, c'est très bien fait, quoi. Puis après, du coup tous les gouvernements de l'OTAN, si je me trompe pas, qui vont parler ensemble. Et tu as War Machine, enfin le personnage de War Machine qui va parler à ce moment-là
devant tous les personnes de l'OTAN et qui va dire comme quoi bah, le président américain n'est pas là parce qu'il avait d'autres choses à faire. Et pour moi, j'ai cette impression que Rudy Rhodes, l'agent Rawls, enfin je sais plus son nom, enfin je sais que c'est War Machine, mais je ne sais plus le nom, est un Skrull. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, parce qu'à un moment donné, bah, quant à le conseil en Russie, il donne les pleins pouvoirs à Garik. Et donc, après, tu as. Comment il s'appelle? T'as Rudy Rose qui va parler autour d'un repas avec Nick Fury. Et tu comprends que même en Amérique, il est recherché, du coup. Et il va parler à Nick Fury et va lui dire voilà, tu es licencié, tu dégages, tu n'as plus rien à faire en Amérique. Même, je pense que ça voulait dire, même au Shield, tu n'as plus rien à faire, quoi. Tu n'es plus directeur de quoi que ce soit. Maintenant, tu n'es plus rien. Et à ce moment-là, tu as Nick Fury qui va lui dire. Et ça, franchement, c'est le retour de Nick Fury, je trouve. Enfin, le début du retour, c'est qu'il va lui dire, je suis Nick Fury, même si tu me dégages, je suis toujours Nick Fury. Donc déjà, tu comprends comme quoi, voilà, Nick Fury reprend du poil de la bête, hein, si on peut se permettre. Et après, tu as, du coup, il part, et pour moi, ça reste un Skrull, parce que du coup, tu apprends que War Machine a travaillé sur une invasion Skrull, entre guillemets, enfin, sur le corps d'un Skrull qui est arrivé, et du coup, ils ont travaillé dessus parce que, ben, il était pas, enfin, je sais plus trop, il était pas, comment dire, personne savait qu'il était là, du coup, il commençait déjà l'invasion depuis longtemps. Et à ce moment-là, enfin, il n'a pas l'air très. T'as Nick Fury qui lui dit que ses agents sont sûrement des Skrulls. Et il n'a pas l'air si choqué que ça. Donc je me dis, est-ce que c'est pas un Skrull? De toute façon, cette série, on peut pas, faut pas, voilà. Tu peux pas dire lui c'est pas un Skrull, lui c'est un Skrull. Parce que vraiment, ça va te retourner. Je reste persuadé qu'à un moment donné dans la série, ils vont te mettre un coup de lui, tu penses que c'est pas un Skrull depuis le début et ça va être un Skrull. Et dans tous les cas, tu sais que même du camp de Nick Fury, tu as des taupes, des espions de Gavik, parce que à un moment donné, Gavik va dire à Gaïa, la fille de Talos, comme quoi il était au courant parce qu'il y a un agent double dans le camp de Nick Fury. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça cool. On va en apprendre plus sur Gavik un petit peu. Et à un moment, sur les super Skrulls qu'ils vont créer, ils sont en train de créer une machine pour créer des super Skrulls. Je me demande même si déjà Gavik n'est pas un super Skrull. Par contre, il y a eu un truc qui m'a choqué entre guillemets, enfin choqué dans le sens où je me suis dit c'est pas, enfin voilà, Marvel franchement ils ont abusé, enfin ils ont fait un truc, c'est la scène de torture sur un Skrull. Je ne m'y attendais pas. Alors on va pas voir vraiment la grosse scène entre guillemets, mais franchement à un moment donné tu vois, je sais plus, on ne connaît pas le nom de la personne qui vient. C'est dans un abat, enfin un abat, une boucherie. Et voilà, les Russes ont emprisonné un Skrull, celui qui a posé la bombe, justement, et ils vont essayer de le faire parler. Et à un moment donné, tu as une femme qui arrive et qui va torturer le Skrull en question. Il va lui couper le doigt, mais vraiment, tu vois qu'il lui coupe le doigt. C'est pas genre, il lui coupe le doigt et en orchant, tu comprends qu'il lui coupe le doigt, quoi. Non, non, c'est là, tu vois vraiment, il lui coupe le doigt et il pisse le sang, le mec. Donc bon. Mais franchement, ça m'a choqué, entre guillemets, en mode, mais Marvel arrive à faire quand même quelque chose, sans pour autant que ça soit dégueulasse, crade. Non, ils te le font, mais voilà, parce que voilà, la femme vient torturer pour avoir des réponses, entre guillemets. Et après, à un moment donné, tu as, voilà, enfin, je sais plus son nom, bref, qui arrive et qui va le libérer. Donc, t'as la femme qui a déjà disparu parce qu'elle est passée sous la trappe de sortie d'une chambre froide. Et donc il arrive, il demande à celui qui était torturé s'il lui a parlé. Et le mec va dire, bah non, j'ai rien dit. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais quand même, ils vont pas, enfin, Gavik ne va pas, le grand méchant ne va pas se contenter de, bon, il a rien dit, allez, c'est bon, il ment pas. Non, à un moment donné, tu vois. Mais sauf qu'à ce moment-là, je me suis dit, ben non, ils font pas ça. Et à un moment donné, tu vois que ils vont en voiture avec Emilia Clarke, qui soit c'est elle qui a balancé la planque à où ils étaient à la police, soit c'est vraiment le mec, je sais plus du tout.
Mais je pense que Emilia Clarke va venir du côté des gentils, ça c'est sûr, parce qu'elle peut pas être méchante. Enfin, je pense pas qu'elle devienne méchante ou qu'elle reste méchante. Mais voilà, et après, du coup, ils passent devant leur planque, ils voient la police. Et à ce moment-là, les deux Gavik et son bras droit, on va dire, vont comprendre qu'ils ont été balancés, ils vont tuer celui qui a été torturé, ce qui est vraiment cool en soi. Pourquoi pas? Allons-y, soyons fous et. Sauf que ben il lui pose pas vraiment des questions et c'est ça qui est dommage. Ils auraient dû lui poser des questions. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Hein. Voilà. Après voilà, il te montre pas la scène de la mort ou quoi que ce soit. Donc est-ce qu'il lui a posé des questions? Parce que ça dure un petit moment quand même. Le temps qu'il l'emmène jusqu'à une forêt et qu'il le tue, ça dure un tout petit moment quand même. Donc je me dis est-ce qu'il lui a posé des questions? Qu'il lui a dit oui j'ai totalement tout balancé et qu'il l'a tué? C'est possible aussi. Et après on a du coup, on retourne sur Nick Fury, qui vers la fin va parler, qui va rentrer chez lui, et on apprend. Et ça, en fait, ça, je m'étais posé la question de est-ce que ça va être une Skrull ou pas, du coup, parce que vu que j'étais en mode le fils de Nick Fury, c'est Gavik, et que voilà, sa femme est une Skrull, pourquoi pas? Et oui, sa femme est une Skrull, et j'ai cette impression que sa femme, c'est justement. La Skrull qui va présenter Gavik à Nick Fury, c'est peut-être l'impression que j'ai. Mais bon, après pourquoi pas? Nick Fury a le droit de tomber totalement amoureux d'une Skrull, hein. Ça, y a pas de souci. Hein. Donc dans un sens, allons-y quoi. Et sauf que ce qui m'a paru bizarre, c'est que est-ce que Nick Fury est au courant? J'espère, parce que bon, parce que bah, sa femme va changer d'apparence et va redevenir humaine quand Nick Fury arrive. Et j'espère que ben il est au courant quoi, pas que ça soit en mode bah sa femme est morte pendant l'ellipse de 5 ans et du coup quand il est revenu une Skrull a pris sa place, ça serait un peu plus bizarre, mais bon. Puis après, j'espère en fait, j'avais une théorie, c'est que vers l'épisode 6, Nick Fury remet son bandeau, son bandana là, son cache-œil et je me dis avec cet épisode où tu vois que Nick Fury reprend du poil de la bête et que là ça y est, il est plus là pour blaguer. Je me dis, est-ce que Nick Fury, dès le troisième épisode, il va remettre son cache-œil? Ça, c'est possible. Parce qu'à ce moment-là, dans la scène, dans le restaurant de luxe, il dit à Rhodes, je suis Nick Fury, et même licencié, renvoyé, je reste Nick Fury. Je pense que dès l'épisode 3, on a Nick Fury en action, vraiment le vrai Nick Fury. Qui, voilà. Et du coup, ça, voilà, le premier, ben oui, Nick Fury, le premier épisode, oui, Nick Fury était totalement déboussolé, c'est vrai. Et là, on a vraiment le Nick Fury, qui comprend ce qui se passe. Il y a 1 million de Skrulls là. Il parle des Avengers aussi, comme quoi ils peuvent pas ramener les Avengers. Ce que je trouve ça très intéressant, c'est qu'ils disent, on peut pas ramener les Avengers parce que s'ils viennent, eh ben, les Skrulls peuvent prendre leur apparence et du coup, faire croire que les Avengers sont des terroristes, justement. Bon. Bien sûr, c'est par rapport au budget, je pense, hein, parce que si tu ramènes un Tony Stark, bon, il est mort, mais tu dis qu'il est vivant, donc un Skrull se transforme en Tony Stark. Je pense que le budget pour un Robert Downey Jr. va être plus élevé qu'une Miss Marvel, par exemple. Ça va être plus élevé ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment envie qu'on voie d'autres héros qui vont arriver. Par exemple, j'espère voir pourquoi pas une Miss Marvel. Ou une Captain Marvel vers la fin de la du dernier épisode, on voit Captain Marvel arriver ou quoi que ce soit. Mais voilà, oui, après on en apprend un peu plus sur le pourquoi sur l'histoire de Nick Fury et en parallèle, on en apprend un peu plus sur l'histoire de Gavik et j'ai trouvé ça très intéressant. Après je trouve que ils auraient pu plus se concentrer sur Nick Fury parce que j'ai toujours cette impression que ça va être une série centré sur plus Talos et Nick Fury en premier, en second plan, entre guillemets. Parce qu'on a beaucoup de scènes avec Talos où il veut un rendez-vous avec Gavik, etc. Donc j'attends vraiment voir les deux opposés, voilà, les deux camps s'affronter, entre guillemets, pourquoi pas. Mais bon, ça on le verra au troisième épisode. Franchement, là, cet épisode-là, je l'ai kiffé. Vraiment. Je savais, voilà, je sais que DeviantProd a aimé l'épisode 1, moi j'avais moins aimé, mais voilà, après, il avait dit que ça allait être une série qui allait
séparé deux camps et qui va être mitigé sur certains points. Enfin, que ça allait en plaire et déplaire à certains. Moi, ça m'avait déplu l'épisode 1. Mais l'épisode 2, franchement, oui, là, c'est du vrai Marvel et je vais kiffer. Et j'espère que bah, ça continuera. Parce qu'on sait que les séries Marvel, ils savent faire leur entrée, mais leur sortie, des fois, ça se pète la gueule totalement. Enfin, bref, après, il y a quoi d'autre? Il n'y a pas grand-chose à dire de l'épisode. Oui, enfin, après, je vois pas quoi. Nick Fury qui est du coup ennemi public numéro 1 de partout, ça, oui. Après, on n'en voit pas grand-chose. Enfin bon, après oui, vous verrez peut-être d'autres choses que moi je n'ai pas vues, des choses que moi j'ai aimées que vous n'avez pas aimées, voilà, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour le nouvel épisode et pour la review après prochainement de l'épisode 3. Allez, ciao tout le monde.